Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est Mission Chita des nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Mette Info, quel que soit côté branché. Nous disons bienvenue sur le canal information sans force côté. Cinq personnes mourir en babal, parmi eux, un agent policier SWAT team avec quatre autres membres Phantom 509. Gagné tout, un policier Phantom 509 qui joue une arrestation. Gagné un autre, disons plusieurs autres qui blessés. Quatre machines service l'état ou les rapidités. Donc c'est résultat gros affrontement qui t'est gagné hier après-midi entre plusieurs unités spécialisées police nationale d'Haïti avec groupe policier fantôme 509 même qui te prend la rue dans Port-au-Prince à quelques temps seulement. Et bien pour mandat chef l'état président Jovenel Moïse qui a privé dans Boutli 7 février 2021 d'après article 2 disons d'après article 134-2 constitution pays d'Haïti. Et bien président Jovenel Moïse qui était dans le département nord-est hier vendredi, et bien il fait qu'on est personne monde pas capable de tuer ni assassiner ni emprisonner ni voyer en exil ni tout, puisque li toune yon zo poisson nan gojo. Se déclaration chef l'État ayer nan département nord-est nan cadre lancement eh bien projet courant 24 sur 24 li men Haïti. Pour direction politique opposition démocratique là, eh bien question date finissement mandat chef l'État, pas gen aucune discussion sous lui encore, puisque gagné divers secteurs dans vie nationale là, ça nous relève force vive nation, force morale, et mais yo tout déjà prononcé d'après article 134-2 constitution pays d'Haïti. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, nous avons invité à continuer à brancher, continuer à abonner au canal information sans force côté de manière à ce que nous capable continuer à porter bon genre information frais, clair, coup de l'eau pour vous. Quel que soit côté yé dans le monde là, ou même qui abonné déjà, nous remercier, ou même qui poko abonné, nous avons invité à faire ça de manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publie, la privée joue nous de façon automatique, comme ça vous pas perdre en yé dans la question information qu'a brassé dans le pays d'Haïti ou à l'étranger. J'en ai annoncé aux amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'était gros tension qui était régné hier après-midi dans Port-au-Prince, Pétionville, Nandelma, pour Pipiti, gagné 5 policiers qui mourir, gagné un agent SWAT team parmi eux qui relait Anozar Patrick, donc gagné 4 autres monde qui mourir et qui ont même ces membres Phantom 509. Donc ces différentes unités spécialisées dans la police nationale là qui ont même et a fait face carré dans moment affrontement qui était gagné et ben entre policier Phantom 509 yo avec policier agent différents unités spécialisées police nationale là dans moment Phantom 509 mettait prend la rue au même côté yo t'a fait des ordres dans Port-au-Prince. D'après directeur général AI Police nationale d'Haïti, Léon Charles lui-même qui confirmait information ça dans un point de presse il était fait bien tard dans assoué après policier Phantom 509 eux-mêmes ont fait déblosage dans la rue Port-au-Prince. Léon Charles précisait gagner plaisir dans policier ça eux-mêmes qui blessé policier Phantom 509 et qui a cherché Kounia pendant gagner youn nan yo qui joine arrestation yo. Donc gagné tout 4 machines qui boulaient, 4 machines plaque service l'état mais qui passait en bas d'ife monsieur Phantom 509 yo même yo boulé rapidité. Nous invitons à écouter directeur général AI police nationale d'Haïti Léon Charles. Journée jodi a c'est une journée day pour la police là côté Anoza Patrick qui c'est un agent SWAT tombé en bas bal assassin groupe Phantom 509 devant commissariat Canapé. Après groupe ça a été fin boulé 3 machines sur route Delma. Unité spécialisée nous yo est obligé réagir devant qualité violence que groupe ça a été déclenché dans la capitale. C'est comme ça dans rue Bosla 4 agresseurs qui c'est Wilbert Florent, Walter Bichotte, Marcel Junior, Joseph Adam t'es touché mortellement et plaisir l'autre blessé que n'a cherché activement. Renal Courtois qui c'est yon dans l'idée mouvement ça dans menou et c'est un policier actif. Service renseignement te gen temps informé des activités groupe ça et disposition te prend
pour bloquer les policiers qui choisissent de servir l'autre cause pour l'argent à intérêt personnel contre la police là, qui a payé yo pour protéger les citoyennes et les citoyens. Sous commandement PAM, je te dis, je ne peux pas accepter. Et la mort parti Kanouza, qui fait partie de la 25e promotion, renforce l'engagement dans le campé contre toute forme de violence qui a détruit le pays chaque jour plus. Dans un moment difficile, ça, je salue le courage de tout groupe là, avec le commandement qui campe jam la journée comme la nuit pour empêcher le pays à tomber dans le chaos. Nous saluons tout, mémoire nous a, et nous dit famille, que nous fiers de voyant garçon ça, il était bon nous, et qui mettait au service pays à camper une conviction. Nous dit famille, il n'y a pas de mourir pour gagner. Pendant que nous avons mémoire, nous connaissons que plus que justice nous avons lié à la famille, c'est résoudre définitivement le problème fantôme 509 ça, qui est un cancer pour la police là et pour les citoyens. Merci en ville. Sous mon paillot, policier fantôme 509 eux-mêmes, ils étaient mauvais coucon. Donc, dans le cadre de manifestation, marche était emmené dans Port-au-Prince, dans Delmar, avec dans Pétionville. Donc, ils étaient fait en pile dégâts sur route. Donc, au moins, gagné et 4 machines, plaque service l'État, ben, yo boulé rapide, objectif mouvement ça, ben, policier fantôme 509 yo s'était dénoncé mauvais conditions de travail yo, avec tout corruption yo dit qui gagnait dans tête police nationale d'Haïti. Nous invitons à suivre comment situation a été dans la rue Port-au-Prince avec policier fantôme 509 yo, qui ont même te joint applaudissement dans foule la côté yo t'a passé dans divers rues dans Port-au-Prince. Zak kidnapping yo pas suspend fait parler de yo nan région métropolitaine Port-au-Prince lan à tout nan quelques villes provinces. Donc pour nous dire ou et bien gagnent pour pipiti 8 cas kidnapping qui enregistré sorti et seulement jeudi pour arriver vendredi à nan zone Port-au-Prince lan Léogane avec nan Grand Guave. Donc Felder René c'est non et bien Fedler René c'est non yon chauffeur camionnette bandit kidnappé dans Grand Guave hier soir, disons hier après-midi. Donc plusieurs individus qui c'était ces plusieurs individus qui étaient à bord d'une machine, disons deux machines Toyota Land Cruiser Zorekin qui ont même commet Zaxila, mais quelques temps après mais ont arrivé la gué chauffeur Sila. Bandi armé exam et ben moun pa rive identifié kidnappé trois frères c'est Johnny Nesli avec Neftali Augustin avec Delot moun non yo yo pa révélé non yo nan Gressier avec en zone en bas la lu. Alors que même jour ça bandi yo même yo kidnappé homme d'affaires Normand Crane qui lui-même qui sorti qui fait partie de compagnie Fréchet local nan Riel Camo nan mitan Port-au-Prince. Nan Léogane bandi mais armé kidnappé yon jeune dame disons jeudi soir ça qui était soulevé colère et population nan zone ça qui yo même té ben bloqué route nationale numéro 2 a pendant plusieurs temps pour te réclamer libération ben citoyenne ça bandi nan Léogane mais té kidnappé.
À seulement quelques temps de 7 février 2021, qui c'est date mandat chef l'État arrivé dans Boutli, et d'après article 134-2A, et bien, disons Constitution 1987 là, avec article 239, loi électorale 2 mars 2015 là, président Jovenel Moïse qui était dans le département Nord-Est Haïti, mais côté l'État lancé projet courant 24 sur 24 Limé Haïti, déclaré yon l'autre fois encore mandat a fini 7 février 2022 et li précisé pas que personne monde qui capable touyer assassiner exiler emprisonner parce que li tourné yon dernier président qui tourné un zo poisson qui coqué nan gorge yo nous invite au côté président Jovenel Moïse jodi a c'est 7 février 2021 dans deux jours, on a 4 présidents. Je veux la caille, dans l'audace, message que je vais pour le monde entier. C'est président pays côté système pesé sous ses arrières. C'est président pays amie. Je dis à me prendre décision système ça, je vais craser le nom. Pour qui ça m'a crasé? C'est parce que son système qui construit. Et c'est pas depuis jodi à l'amble nous comme ça. Même système ça, c'est lui-même qui te prend nous sortir jusqu'en Afrique. Lui qui a mis nous dans l'esclavage pendant plus de 300 ans. Là, nous y a un monde qui te prend décision, qui prend tête la main indigène. Liban nous indépendance, vertien en or, en 1803, en novembre 1803. En octobre 1806, 3 ans après où tu es, le système n'a régénéré tête li. Depuis 17 octobre 1806, c'est même système n'a pas. Il n'a jamais changé. C'est lui là. C'est lui, Jodia, là. Et je profite de vos nouvelles, by Negro. Jodia, côté de autour du Nord, nous sommes sur le travail, l'homme prend nouvelle qui a choisi comme candidat. Je te dis, moun, que. Si vous avez une condition avec un groupe ou bien avec un monde, dis-le, je ne peux pas venir servir. Et je connais un de dire ça. Et monsieur m'a dit aujourd'hui devant la caméra, gardez bien mon voisin qui arrive avec nous, je ne peux pas venir servir. Gardez bien mon voisin. Je ne peux jamais venir servir nous. Je ne peux pas servir mon sale devant nous. Les oubliés de la République, mon depuis nous finissons tuer des salines. Nous tuer président, nous assassiner président, nous exiler président, nous emprisonner président. Mais pas oublier qu'on dernier président qui croque dans la gauche, monsieur. Nous ne pouvons pas tuer ça, nous ne pouvons pas assassiner ça, nous ne pouvons pas emprisonner ça, nous ne pouvons pas exiler ça. Nous croque dans la gauche, nous. Dis-nous aujourd'hui, président Sato pas venu pour persécuter personne. Il est venu pour dire nous que bagarre pas qu'à continuer comme ça encore. Alors, ce qui est sous Bopal, gagné et porte-parole, direction et politique opposition démocratique, là, M. André Michel, lui fait qu'on n'ait pas gagné aucune discussion encore sur date finissement mandat chef l'État, président Jovenel Moïse, qui a fini 7 février 2021. D'après lui, tout secteur avec toute force vive, avec force morale, nation a déjà prononcé yo, et sous question ça, d'après article 134-2A qui dit, mais c'est dans 7 février 2021, mandat chef l'État à bout. Nous invitons à écouter M. André Michel, qui est porte-parole direction politique opposition démocratique. Il y a le débat sur la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse est terminé. Vous entendez position secteur protestant, toute organisation protestante, nous tout dit mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. Vous entendez position fédération des parents d'Haïti, qui est là dans 18 BAO, dans 18 juridictions ordre judiciaire, qui dit c'est fini le mandat de Jovenel Moïse, la fini 7 février 2021. Vous entendez position de l'Église catholique, la conférence épiscopale
d'Haïti, qui dit Jovenel Moïse, la loi c'est la même pour tous. Même gens, nous appliquons la constitution, nous sommes capables de voir les sénateurs aller le 2e lundi janvier 2020, c'est même constitution ça pour appliquer pour nous. Parce que pas capable de faire une constitution, nous avons appliqué deux gens ou deux groupes différents. On a tout le pays à reconnaître. Le mandat de Jovenel Moïse fini. Et Jovenel Moïse lui-même tout lui reconnaît le mandat. D'ailleurs, même monde qui est secrétaire général de la présidence, eh bien, notre défait au mois d'octobre 2018, il te reconnaît 7 février 2021, mandat Jovenel Moïse à vous. Je veux m'adresser aujourd'hui de manière solennelle à M. Léon Charles, qui est le directeur général acquis de la police nationale d'Haïti, Baptiste Léon Charles, pour responsabilité historique, pour responsabilité pénale, pour responsabilité constitutionnelle dans ses chefs de police. Mandat Jovenel Moïse. Malheur à vous-même, si vous allez rentrer dans faire répression, vous allez tout le monde pour Jovenel Moïse. Ou al maspiner moun pour Jovenel Moïse. Malheur à vous-même, vous renvoyez ça. Parce que le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse, en fin, dans 3 jours, c'est-à-dire le 7 février 2020. Et là, Léon Charles comme ça bien. Léon Charles comme ça bien. Parce que le règlement de la police l'a dit que le policier n'a pas le droit d'exécuter un ordre manifestement illégal. Et le Yonchal, c'est le premier policier. Malé Averti, pas tué aujourd'hui. Le Yonchal prend responsabilité. Accompagner le peuple dans tout le pays qui a continué à manifester pour faire respecter la Constitution. L'autre information, toujours question insécurité. Eh bien, gagné commissaire gouvernement au Kaila, M. Ronald Richemont, lui dénoncer complicité, lui dit qu'il gagné entre et certains leaders, certains dirigeants et opposition avec quelques présumés bandits dans la région sud. Là, M. Ronald Richemont promet pour stopper et bandits ça eux-mêmes qui gagné intention, qui gagné zamnameyo et qui gagné intention vinsime. La trouble dans la ville Okaï, dans l'occasion série manifestation qui a fait contre pouvoir dans la ville Okaï, donc qui c'est juridiction pâle. Commissaire Ronald Richemont dit eh bien, les papes courent derrière militants politiques, mais c'est derrière bandits la courent depuis où ils ont amené en main. Et bien, ils ont bien simé la trouble, ils ont bien caché dans la ville Okaï, et bien, la déniché ou bien les stopper ou bien les arrêter ou nous inviter au côté. Commissaire gouvernement Okaïla, M. Ronald Richemont. Nous connaissons aujourd'hui qu'il y a une turbulence politique en Dabé. Et ça a bah, un pile problème. Un pile problème. Et il y a un pile monde qui a incité la population à la violence. Donc nous-mêmes, au niveau parquet, nous prenons toutes mesures et dispositions pour que et tout le monde soit capable de rester dans le calme. Je dis, après un pile appel qui fait pour déchouquer, après un peu l'appel qui fait pour craser briser, la population pas entendre rentrer dans craser briser ni bouler par option. Il faut que pour personne qui fait ça. Parce que Okaï lui-même, c'est une ville qui était toujours une ville paisible, tranquille. Jodia, en pile monde qui bat tête de nous, le politicien, qui a incité la population à la violence et la population elle-même n'est pas en temps d'entrer dans la violence. Donc, comme nous te dit, nous dit encore, manifester son droit constitutionnel, son acquis démocratique, que nous-mêmes, nous ne pas empêcher personne de manifester en dans la son droit. Et pendant que nous avons droit à tout, nous avons un devoir pour respecter le monde qui fait ça. Nous avons un devoir pour respecter le business monde, pour respecter business monde, matériel, l'État, matériel, bien privé qui est dans la rue. Donc nous-mêmes, nous n'avons pas choisi de courir, nous n'avons pas choisi de quitter le pays. Il y a des possibilités pour ça. Mais nous, en tant que jeunes garçons, nous là pour nous donner la population en service. Nous-mêmes, nous n'avons pas couru des militants politiques, nous avons couru des bandits. Depuis que nous-mêmes, nous là, bandits, depuis ces bandits, ou des âmes dans le monde, ou à tensionner la population, nous-mêmes, nous là, nous avons arrêté et sous des âmes, nous avons stoppé. Donc, je vous dis,
Et il y a un peu de monde ou bien un peu d'individus qui pensent que c'est des politiciens qui ont incité la population à la violence, qui allaient à chercher des bandits que nous-mêmes qui avons mandat derrière eux, déjà pour faire des ordres dans la ville. Il y a derrière eux. Notamment, nous connaissons actuellement là, gagné, qui sont dans sa vente, qui sont caboulés, caoutchouc hier soir, avec ZAM à la main, dans le café Boyer. Et qui est-ce qui fait, nous connaissons qui est-ce qui fait. Donc, moun sa, c'est le monde qui a mandat dans la main, d'ailleurs, tout ça. Si nous prenons un exemple, un élément, il y a Windsor. Windsor, c'est un qui est des Kilikou, qui avec ZAM à la main, qui a fait des autres. Je dis, il retourne dans la ville pour faire des autres. Nous gagnons Jolet. Nous gagnons Paye, moun sa, c'est le monde qui a mandat derrière eux. T'as volé bagay moun, examen à la main, a fait des autres. Je dis à gagner moun qui a cherché notamment Tiati, hier soir, qui dans la ville là, qui a fait des autres, Camelo dans la ville, a fait des autres. Donc c'est des moun qui dit qu'il a servi, il a défendu la population, qui a cherché M. Sahab pour faire des autres dans la ville là. Nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec moun qui a manifesté. Mais moun qui a fait des autres, moun qui a boulé caoutchouc, moun qui a crasé business moun, nous pas garder au danger. Nous pas garder au danger. Nous pas courir, nous pas courir, nous pas peur et nous pas jambe. Donc nous là pour nous accompagner la population dans toute démarche que la population a fait pour gagner la tranquillité, pour gagner la paix en dans la juridiction. Donc, comme nous disons déjà, il y a des gens dans la manifestation mardi qui boule les machines de l'État et nous avons déjà des mandats derrière. Et les gens, comme ils ont cherché pour venir faire des ordres, les gens ont un mandat derrière eux. La police a une obligation pour arrêter les gens pour les traîner devant la justice normale. La population, on nous garantit que la justice avec la police est capable. Nous ne pouvons pas empêcher les gens de manifester, nous ne pouvons pas empêcher les gens de revendiquer les droits, mais nous ne pouvons pas accepter nous-mêmes en tant que juristes, en tant que commissaire gouvernement, qui est chef de la poursuite pénale, qui a l'ordre social là pour le Québec conservé. Nous ne pouvons pas accepter de détruire les magasins, de bouler les magasins, de bloquer. Ça a été fait dans le temps, dans le passé, année 2019-2020, mais pas reproduit encore dans la ville de Cali. Amis auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nos campagnes à édition information. Ça, c'était les amis frères Mette Info qui t'a servi. Nous casser rendez-vous demain, même l'heure, même chaîne. Si papa, bon Dieu content. À bientôt.